On se rend direct au départ du marathon de Montréal sur l'île Sainte-Hélène. C'est là que je retrouve ma collègue Anne-Sophie Jobin. Donc, on vient tout juste de donner le signal de départ, Anne-Sophie? Il y a 2 secondes à peine, on sent beaucoup de fébrilité. Le départ pour le 21,1 km, le demi-marathon, et le marathon complet 42,2 qui est lancé à l'instant. On voit des visages stressés, des visages excités du départ. Les gens vont bientôt se mettre à courir d'un instant à l'autre. Et aujourd'hui, on peut dire que l'île de Montréal est vraiment paralysée, hein, pour ce marathon-là. Je vous le montre sur une carte. L'île est littéralement coupée en deux, du sud au nord pour ce marathon-là. Bien sûr qu'il y a des secteurs à éviter encore aujourd'hui. Bon, on va éviter le boulevard Saint-Laurent, évidemment, de la rue Gouin au boulevard Saint-Joseph. Boulevard Saint-Joseph aussi lui-même, de Saint-Laurent jusqu'à la 16e avenue, ainsi que les abords du parc Maisonneuve. Et il y a aussi dans le Vieux-Montréal qu'il faut éviter, là, les tronçons des rues McGill, Mill, Riverside et Pierre-Dupuis. Et ce sont environ 20 000 personnes qui participent aujourd'hui. Et demain, je vous montre un peu les gens qui vont se mettre à courir d'un instant à l'autre. Là, c'est sûr que quand on parle de 20 000 personnes, ça fait beaucoup de réactions. Je vais tenter de parler avec des gens. Allô? Comment on se sent à quelques minutes du départ? C'est stressant, mais on va le faire. On va être capable. Distance? 42, c'est marathon. Est-ce que c'est votre premier marathon? Premier à vie, ouais. Comment on se prépare pour un marathon pour le commun des mortels? On doit courir minimum 1,30, c'est ça qu'on a fait. Puis courir plus qu'on a couru parce que nous, on n'est pas assez préparés. Ouais. Let's go! Vous n'êtes pas assez préparés? Mais c'est la confiance, c'est la bonne énergie. C'est dans la tête, c'est dans la tête. Bonne chance, les gars. Audrey, on reste sur place parce que les gens partent lentement, on continue à prendre des réactions, mais vraiment une belle énergie. Ici, ce matin, en plus, il fait super ben beau. Oui. Ça va se poursuivre jusqu'à 14 h environ, les rues bloquées, alors éviter certains secteurs. Le vrai départ est à l'instant. On prend ça en direct pour vous et on se reparle plus tard. À tantôt, Anne-Sophie. On sent de la fébrilité, effectivement.